السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته aujourd'hui on va voir la page 160 صفحة 160 alors je lis le texte جمانة raconte son voyage à ses جمانة تحكي سفرها لأصدقائها لتتم يعني الجزء الثاني من حكاية جمانة uh, عن سفرها أو رحلتها لمدينة طنجة طنجة

pour aller visiter, que les allons la grotte d'Hercule la grotte est la grotte de Héracl c'est un lieu est un lieu où il y a beaucoup de touristes il y a beaucoup de touristes on voit de l'ouverture de لا نرى من فتحتها يعني من الفتحه ديال المغاره الوغ فاسي لوفيرتور دو لا غروت كو لو بلو الا الماء الازرق هنا الماء الازرق يعني تيدل على البحر لا ميغ اي لو سييل و السماء اون ا بري فوتو فوتو هما صور التقطنا كثير او العديد من الصور De l'intérieur de la grotte et du coucher du soleil wa Le soir, nous avons fait un tour dans le grand marché El pour acheter des souvenirs et des cadeaux. Je lis le texte une deuxième fois. Jumana raconte son voyage à ses camarades. Pange est une jolie ville. Elle est grande et très propre. Nous avons pris un grand taxi pour. Aller visiter la grotte d'Hercule. C'est un lieu, IEU, ce prononcieux, où il y a beaucoup de touristes. On ne voit de l'ouverture que l'eau bleue et le ciel. On a pris plusieurs photos de l'intérieur de la grotte et du coucher de soleil le son hey, e i l se prononce e hey. le soir nous avons fait un tour dans le grand marché pour acheter des souvenirs et des cadeaux on passe aux questions maintenant la première question entoure les mots qui correspondent au dessin. Alors voici le dessin. Le dessin. Entourez une rangée de quatre les lettres nécessaires pour faire dessin. Alors le premier mot. Grotte d'Hercule, magarat Le grand souk, souk el Kavir. hôtel, ça veut dire fandok. Alors bien sûr, le mot qui correspond au dessin est grotte. D'Hercule. Alors on va entourer le premier mot. La deuxième question. Lis les phrases puis écris vrai ou faux. La première phrase, la phrase A. Tanger est une jolie ville. Alors bien sûr, c'est vrai. Tanger est une jolie ville. Vrai. La deuxième phrase, on ne voit de l'ouverture que l'eau bleue et le ciel. Alors bien sûr, c'est vrai. La troisième phrase, le matin. Nous avons fait un tour dans le grand marché ça va commeobjet oulant al alkavir alors cette phrase est fausse alors on a dans le texte le soir le soir nous avons fait un tour dans le grand marché alors bien sûr cette phrase est fausse alors on va écrire faux. La phrase suivante, la dernière phrase, la phrase D. Nous avons pris un petit taxi. Alors, euh, alors, nous avons dans le texte, dans la troisième ligne, nous avons pris un grand taxi. Alors, la dernière phrase est fausse. Alors, on va écrire faux devant la phrase D. La question numéro 3 écrit une phrase pour répondre à la question. Alors, la question c'est, Où se trouve la grotte d'Hercule Où se trouve la grotte d'Hercule Alors, bien sûr, la grotte d'Hercule se trouve à Tanger. Alors, on va écrire à Tanger. La question suivante, euh, la question numéro 4, complète la phrase. Le soir, nous avons fait un tour dans le grand marché. Pour... Alors, c'est quoi la raison? Alors, on va chercher dans le texte. Alors, nous avons ici dans le texte... Nous avons, le soir, nous avons fait un tour dans le grand marché pour acheter des souvenirs et des cadeaux. Alors, voici la réponse pour acheter des souvenirs et des cadeaux. Merci.